Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Comme le titre l'indique, il s'agit d'une vidéo What I Got for My Birthday et je sais que vous kiffez mon accent anglais. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire surtout ne me laissez pas de vœux pour mon anniversaire puisque en fait il était en mai. Et que nous sommes en juillet, donc avant l'heure ce n'est pas l'heure, et puis après l'heure ce n'est plus l'heure, donc inutile de me déposer des vœux, cela serait un peu déplacé puisque c'est plus du tout mon anniversaire. Cependant, j'ai longtemps hésité à vous tourner cette vidéo pour une seule raison, c'est qu'en fait tout ce que je vais vous présenter vient d'une seule personne, il s'agit de ma maman, que j'aime très fort. Et voilà, voilà, trêve de plaisanterie, je vais vous présenter donc ce que j'ai reçu. Et tout d'abord des livres et puis un peu de musique. Donc je vais commencer par la partie qui correspond le plus à ma chaîne et à mon blog, les romans. Alors tout d'abord, elle m'a complété deux sagas, l'une qui est commencée et l'autre pas encore. Il s'agit donc de la saga de Simone Halkeless, Irrésistible Alchimie. Donc j'ai eu le tome 3 d'Irrésistible Fusion. Donc si vous me suivez, vous savez que j'ai lu le tome 1, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. J'avais le tome 2 dans la palle, mais comme j'avais pas la suite, j'étais un peu frustrée justement de ne pas avoir le dernier tome dans la palle. Donc du coup j'ai mis un peu la saga en pause. Donc maintenant qu'il est sorti et que je l'ai reçu, je vais pouvoir redémarrer la saga. Donc j'ai vraiment hâte. Et puis à cette occasion je relirai justement le tome 1 Irrésistible Alchimie. Comme ça vous aurez mon avis sur les 3 tomes. Enfin je verrai comment je vais dégoupiller tout ça. En tout cas j'ai vraiment vraiment hâte. Voilà. Et puis ensuite, l'autre tome, c'est encore un tome 3, il s'agit de tome 3, Enlace-moi, de la saga Crossfire. Donc là encore, pour cette saga, c'est ma maman qui m'a offert le tome 1 et le tome 2, et donc là le tome 3. Donc je prends un gros risque à avoir la saga, à avoir la trilogie dans la palle, sans avoir lu le premier tome. En fait, j'étais très 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 attirée par le premier tome dès sa sortie, mais comme justement il était très prisé et qu'on entendait parler que de lui, j'ai un peu eu une overdose et du coup je l'ai mis de côté pour plus tard. Donc Crossfire et Irrésistible Alchimie, ces deux sagas, je pense que je vais me les garder pour cet hiver, pour oui l'hiver prochain, cet hiver, enfin l'hiver 2014-2015. Comme ça, avec le mauvais temps, la pluie, les tempêtes éventuelles, etc. Je vais pouvoir me faire plaisir au niveau livresque, donc ça va être super chouette. Ensuite, j'ai reçu une intégrale qui me faisait très 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 envie, grâce notamment à la blogo et à tous les bons échos qu'elle a fait de cette saga. Il s'agit de Sérum. Donc moi je voulais en fait au début les acheter en tome par tome, mais je n'ai jamais eu l'occasion ni les finances justement pour me lancer. Et puis, justement, en me promenant avec ma maman à France Loisirs, je suis tombée sur l'intégrale. Elle me faisait très 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 envie. Et voilà. Très 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 beau cadeau. Je suis très contente. Au sujet de cette saga, si vous avez des nouvelles sur la saison 2, je suis preneuse. Donc j'ai un peu regardé sur le net justement. J'ai vu que la saison 1 était complète, que l'intégrale est sortie. Pas de nouvelles pour l'instant pour la saison 2, donc si vous en avez, n'hésitez pas à partager en commentaire. Je suis très 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 intéressée. En tout cas, j'ai vraiment hâte parce que j'ai entendu de très 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 bons échos. Alors ensuite, un livre que j'ai choisi pour le titre, il s'agit du Le Magicien. Donc j'avais lu la quatrième de couverture au moment de son achat, enfin au moment où je l'ai un peu choisi. Mais je vous avoue que en fait je ne l'ai pas relu, donc je ne vais pas la relire. Ça sera totale surprise au moment où je me plongerai. En tout cas, j'ai franchement hâte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, passons. Et ensuite, pour terminer avec les livres, encore une saga. Donc il s'agit en fait du tome 3 de la saga Rouge Ruby. Ici c'est Vert Émeraude. J'ai lu Rouge Ruby il y a très longtemps et j'avais adoré, adoré, adoré. Je voulais en fait me procurer la suite, donc Bleu Émeraude, non, Bleu Saphir et Vert Émeraude. Mais je n'ai pas eu l'occasion jusqu'à présent de me les acheter neuf. Donc là, avec ma maman, on est tombé sur
sur l'occasion en fait, et j'ai pas hésité. Voilà, à 4 euros, et ben je me suis fait plaisir. Ça paraît con de se faire offrir des occasions pour son anniversaire, mais en fait, ça me dérange absolument pas de recevoir des livres qui ont déjà vécu et qui retrouvent une nouvelle vie avec moi. Donc, je suis très 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 contente. Il me reste plus qu'à mettre la main sur le tome 2. Je vais pouvoir reprendre la saga et j'ai vraiment hâte de voir ce que l'adaptation de Rouge Ruby va donner. Voilà. Et pour terminer avec les livres, c'est un premier tome. Il est déjà passé dans une autre vidéo. Il s'agit de La Sélection. Donc, si vous avez suivi un peu l'histoire, j'ai emprunté le tome 1 et le tome 2 à la médiathèque. J'avais adoré. Malheureusement, le tome 3 n'était pas sorti puisqu'il sortait en mai. Et on n'était pas encore au mois de mai, justement. Et au cours de ma lecture des tomes 1 et 2, ben, je me suis rendu compte que j'avais très 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 envie de posséder la saga dans la bibliothèque. Et donc, je suis tombée justement sur... Ah! Excusez-moi, je suis tombée sur cette occasion, donc 4 euros le premier tome, et voilà, ma maman me l'a offert, donc je suis ravie, ravie, ravie. Il me reste plus qu'à mettre la main sur le tome 2, tome 3 et le livre compagnon, et je serai comblée et je vais pouvoir reprendre la saga. Voilà. Alors, ceci c'était pour la partie livre, et ensuite, niveau musique, ça fait un bail. J'ai toujours été attirée par la musique, j'en avais toujours dans les oreilles, mais voilà. À cause des aléas de la vie, j'ai un peu cessé d'écouter la musique. Il y a des périodes où j'en écoute pas du tout pendant un très 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 long moment. Et puis ça me revient comme ça. Donc en fait, maman m'a offert Amel Bent, le dernier album Instinct, et Maître Gims avec Subliminal. Donc j'ai repris l'écoute de la musique avec ces deux albums. Je les aime beaucoup et tout le mois de mai, je les ai écoutés en boucle avant de m'endormir et je passais de très 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 bonnes nuits. Voilà, juste petite anecdote au passage. Donc j'aime beaucoup la musique. Pour ma part, je les télécharge pas. Je préfère les posséder, les acheter. Et puis ça me fait plaisir après de les voir et de choisir ce que je vais écouter, etc. Donc je ne suis pas une personne qui télécharge la musique. J'aime bien posséder. Même pour les livres, hein, j'aime bien posséder mes livres. Même si j'ai la liseuse à côté, j'aime bien posséder en papier et pouvoir toucher les objets. Je suis fan de ça. Donc voilà. En ce qui concerne les musiques, bah, chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Hein. Les goûts et les couleurs sont dans la nature. Chacun a ses préférences. Donc de ce côté-là, je vous saurais gré de ne pas juger mes goûts. Voilà. Moi, j'affectionne beaucoup. Ce sont des artistes que j'aime énormément. Et voilà, peut-être qu'à l'occasion, je vous ferai découvrir les artistes que j'aime en vidéo ou pas. On verra. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça vous intéresse. Et puis on en reparlera un de ces jours. Donc voici pour ce que j'ai reçu à mon anniversaire. En ce qui concerne l'âge que j'ai eu, je vous passe les détails. J'ai l'âge que vous me donnez, c'est très bien comme ça. Voilà. Et bien quant à moi, je vous retrouve très vite avec de nouvelles publications, que ce soit sur la chaîne ou sur le blog. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et en ce qui concerne Facebook, à cause de leur changement, vous êtes nombreux à ne plus percevoir mes publications. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page et à cliquer sur recevoir nos notifications. Comme ça, vous serez informé des dernières publications, des dernières news, etc. Voilà. Il est l'heure de vous laisser. Profitez bien de vos lectures, de vos vacances, du soleil si vous en avez. Et je vous dis à plus tard. Ciao!